Salut à toutes et à tous, ici Calion et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de notre aventure sur Ratchet et Clank 3, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je dis Ratchet et 3. Je sais pas. Donc aujourd'hui faut vraiment que j'arrête de dire... Enfin que j'arrête de bégayer surtout, ça devient affligeant. Nous allons aller en direction de la station Opération Destruction. Donc pour y récupérer un gadget qui nous sera très pratique à l'avenir. Donc le tyraguisement, voilà, je cherchais le nom. Donc ça permettra de nous déguiser en tyrannoïde tout simplement et d'en parler la langue et de la comprendre. Vous allez voir les phases en tyrannoïde, ça va être tout simplement drôle. C'est vraiment what the fuck. Enfin bon. Là on va plutôt se contenter de survivre au parcours, même si c'est pas tellement difficile que ça. J'ai envie de dire, c'est même très simpliste. Mais bon. On va être de suspense un peu. Planète, opération destruction qui ressemble à une planète complètement déchirée, c'est assez bizarre. Est-ce qu'il y a une cinématique? Mystère. Attention. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, voici notre premier candidat. Mécanicien de fusée au Chomdu, il dit avoir sauvé deux galaxies, mais il est plus réputé pour son rôle de chauffeur à cariatre dans Agent Secret Clan. Peut-être le déguisement de Tyrannoïde lui donnera-t-il enfin plus de succès auprès des dames. Hé hey. Accueillez comme il se doit, Ratchet. Ratchet va tenter d'être le premier candidat à survivre au Raid d'Air. Candidat numéro 1, faites vos prières! Pétez Marcel! Ok, fais péter Marcel. Eh ouais. Donc, est-ce que vous êtes chaud, Mulhouse? Bah, moi je suis chaud, voilà, je suis mort. Non, c'est un délire avec Ware, c'est que dès qu'il se passe quelque chose, à chaque fois il dit: est-ce que vous êtes chaud, Mulhouse? Puis bah, vu qu'il habite à Mulhouse, il me semble. Ou alors qu'il veut y habiter, bah. Il dit ça. Donc bon, c'est pour ça que je me suis jeté dans la lave en disant: est-ce que vous êtes chaud, Mulhouse? Dédicace à Ware, voilà. Et de toute façon, j'ai changé depuis que je suis devenu partenaire. Ah putain, qu'est-ce qu'on délire bien, n'empêche. Bon, mine de rien, Ratchet, c'est vrai qu'il a déjà sauvé. Bon, je referme mon inventaire un peu. Il a sauvé 3 galaxies, c'est pas rien. Ok, V3, V2, V2. Ok. Voilà, je suis un fou, je change d'arme aussi vite que mon. J'aime pas les... Je suis anti-caméra en fait. Voilà. Putain, ils le disent qu'à ce stade du jeu, le latéral. Enfin, le déplacement latéral du moins. De toute façon, il y est dans le 2, donc normalement... Enfin non, je me souviens que les gens ont tendance à pas trop commencer les séries par le 1, généralement. Pourquoi, j'en sais rien, mais... J'ai constaté ça avec... comment dire... Avec Spyro, avec Rayman aussi. Enfin, il y en a qui ont commencé Spyro par le 3, d'autres Rayman par le 3 aussi, d'autres Jack par le 2 ou 3, et Assassin's Creed par le Brotherhood ou alors le 3. Enfin voilà, c'est assez marrant. Enfin moi perso, je pourrais pas commencer une série sans avoir joué dans l'ordre, parce que je veux comprendre en fait l'histoire. Merde, c'est vrai qu'il y avait un nom en titane ici, c'est vrai que je l'ai zappé. Je suis sûr il y en a dans les pendant les commentaires, mais pendant qu'ils regardaient la vidéo, ils disaient: putain, t'as droit, tourne, putain, il y a un boule en titane, ah. Voilà, je l'ai eu. I will survive. Du coup... je me demande où c'était, là. Je sais plus où ça mène, attendez. Ah, ok. En fait, ça servait à rien. Je crois qu'il faut les bottes spéciales, ou alors c'est un endroit qui ne sert à rien. J'en sais trop rien. Je vais me faire toucher, voilà. Non, mais c'est ma faute aussi. Allez, c'est parti, on va runner le Red Dead, hein, Red Dead Redemption, lol. C'est juste que je pensais qu'il y aurait quelque chose, mais en fait... Ok, toi t'es mort. Aïe. Allez, boum. Je me souviens que c'était l'oblitérator dans Ratchet Gladiator, le nom de l'arme. Non, y'a rien ici. Ah bah, si tu prends ton pied, mec, c'est cool. Ok, je l'ai pas eu. Oh putain.
J'avais oublié qu'il avait ça, lui. Hop. Là, je suis à la moitié de ma vie, alors que d'habitude, je m'en sors très bien là-dessus. Pour centrer la caméra, pourquoi pas ? Appuie rapidement sur la touche L1. Ouais, je sais. Comme ceci. Comme ça. Voilà, comme ça, voilà. Fais un petit tuto, toi-même, tu sais. Là, c'est à droite, logiquement. Ouais. Putain, les gens qui me connaissent pas quand je parle et que je dis des choses bizarres que seuls moi et quelques autres personnes connaissent, ils doivent me prendre pour un putain de retard, c'est violent. Comment je peux accéder à cet endroit? Ils se foutent pas un peu de moi, là? Comment je chope ce boulon? Non, mais pas de soucis, mais si vous pouviez m'expliquer. Ah, attends, mais non, mais si, c'est peut-être parce que je devais aller de là-bas à là-bas. Ça me stresse de voir un boulon comme ça qui se balade nu comme un ver dans la prairie lointaine. Moi, je me plaisante et je plaisante. On va appuyer sur le bouton quand même parce que... Non, mais je suis sûr que c'était ça en plus, hein. Attendez. Ouais, parce que je peux pas l'avoir d'ici. C'est forcément en hauteur que la plateforme par laquelle on passe se trouve. Bah tiens, on va se les faire. Tac. Et regardez. Boum. Ouais, si, c'est ça. Ah. Bon, attendez. Je vais prendre le vidéo fun 2. Et je vais retourner vite fait essayer de choper ce boulon. Parce que j'aime pas avoir des boulons comme ça. Libre d'accès, mais sans pouvoir savoir comment l'avoir. Putain, j'ai fait des rimes, j'enchaîne des rimes en noir. Non! Je voulais pas accéder à ça tout de suite! Non! Ok, on va y saouler. Voilà. Vous m'avez rien fait, mais vous m'avez saoulé. Toi, salut Kaito. Oh, les bruits. Croyez des gorilles, les trucs. Salut! Et coup! Voilà. Oh, il y a une épée, tiens. Ah, il y a dimanche. Vas-y, je vais finir le jeu comme ça en tournant en rond. Comme ceci. Et ouais les mecs, faut les réflexes. Là. Oh là là, je vous laisse des esquives dignes d'un PGM, pas PGM, voilà. Il suffit que je dise PGM et je me prends une attaque. C'est cool. Ah ouais, vous voulez loin et vite quand même. Moi, si vous êtes dégagé, vous comprenez le message. Hop là. Fouet à plasma. For the win. Ok, nanotech augmentée. Putain, 22 déjà. Ça passe énormément, énormément, énormément vite. C'est pas moi qui m'en plaindrais, de toute façon. D'ailleurs, il peut monter au niveau 200 si vous finissez le jeu en mode défi, je crois. Mais au niveau 100 si vous avez fini le jeu une fois. Il me semble. D'après mes souvenirs, après, je sais pas si c'est ça. Obliterator! Non. C'est pas l'obliterator, putain. Ça, c'est le nom dans Ratchet Gladiator. À chaque fois, je confonds. Ce n'est pas l'obliterator. C'est tout simplement le lance-grenade. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Où je mets pause, je sais pas pourquoi. Salut. Allez, encore une manche. Enfin, deux plutôt. Ça, c'est cool, mais ça bouffe beaucoup de munitions en un coup. C'est genre vous chargez à fond. Et boum! Voilà. Mais ça use 3 munitions en plus. Et vu la sous-puissance de cette arme de merde, on va pas se mentir, ça sert à rien. Ça. Voilà, tempête N60. Ça, c'est une bonne arme. Et en plus, on peut camper. Pourquoi? Bah, parce qu'on peut rester loin. On peut faire le sniper. Voilà. Je n'en crois pas mes yeux! Il a survécu au Red Dead! Et pour vous remettre votre prix, voici la ravissante Miss Courtney Gear! Que
ça. Il a l'air plus en forme. Ne vous inquiétez pas, Sacha. C'est Ratchet. Ah, vous avez gagné le tir à guisement. C'est très ressemblant. Enfin bref, il y a quelque chose que je dois absolument vous montrer. Journal de Quark, paragraphe 101301. Après avoir personnellement vaincu la menace proto-animale et réinventé le centre d'expérimentation Megacorp, j'ai décidé de me consacrer à la protection d'espèces menacées dans la jungle de Florana. Mais lorsque j'ai appris que le docteur Nefarious avait repris le pouvoir, j'ai décidé de faire face à mon destin. J'ai suivi un entraînement extrêmement difficile pour retrouver ma forme d'antan. Et les idées brillantes se bousculent dans ma tête. Mais l'odeur aigrelette de mes charmants compagnons simiesques me manque. Oh. Il est temps maintenant de reprendre les fonctions qui ont fait de moi le plus grand héros que la galaxie ait connu. Capitaine Quark! Vous n'allez pas le croire, mais le président a chargé Quark de mener la résistance contre Nefarious. Le nouveau commandant a convoqué sa première réunion. Un conseil. Remontez vite à bord du Phénix. Je suis d'accord. Tout cela ne me dit rien qui vaille. La façon de parler en fait avec les tyrannoïdes, c'est tellement drôle. Donc Capitaine Quark va tout simplement prendre les commandes des opérations pour lutter contre les tyrannoïdes. Il a beau avoir retrouvé sa forme, entre guillemets, dans le temps, ou son statut d'ancien ranger galactique ou sauveur de l'univers, de la galaxie plutôt, il est toujours aussi con, donc, surtout qu'il n'a jamais sauvé la galaxie, il l'a même condamné deux fois. Enfin, heureusement que Ratchet était là. Mais bon, c'est marrant. Protection des animaux, d'ailleurs j'ai pas fait la remarque, mais le délire du singe avec un œil, enfin le singe cyclope, ça m'a tellement fait triper. Ça. Je sais pas, c'est épique quand même. Hein. Pousse-toi, toi. Je vais essayer de l'atteindre. Non, on n'y arrivera pas. Je crois qu'il faut les super bots. Ouais, faut les super bots. Bon, on va faire les défis qui nous sont proposés maintenant. Hein. Comme ça, ce sera fait. Ouais, on pourra pas tout de suite. What? Putain, je sais plus viser. D'accord. D'accord. Je ne sais plus viser. Là, je sais viser. Hop. Appuie sur le bouton pour retourner le panneau. Normalement, c'est à droite cette fois-ci. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On va essayer de ne pas perdre de temps. Allez. Hop. Ouais, donc pour l'autre truc, on verra quand on aura les super bots parce que j'ai l'impression que c'est pas possible avant. Alors, qu'est-ce qu'il peut ok, il n'y avait rien en fait ici. Alors, je sais pas comment je vais les avoir. Mais... Ah, peut-être comme ceci. Ouais, c'est sûr. On va les avoir comme ça, ça va être cool. Ah ouais, le mec il plaisante pas quand même, je peux même pas le toucher. Enfin c'est le but, j'ai envie de dire, s'il tournoie comme ça. Normalement là c'est à gauche. Voilà. Ok. Normalement il y a des ennemis qui apparaissent dans une salle comme ça, mais je sais plus laquelle. Ah tiens, ninja. Unité bien chiante et coriace en plus. Mais il y en a que 2, donc ça va. Ah, 3. Tant pour moi. Ok, mission réussie. Bon. Terrain miné. On va tout faire, hein, histoire d'avoir quelques petits boulons, up nos armes. Et passer le temps, parce que j'ai pas envie de commencer une nouvelle. Une nouvelle planète maintenant. Ouais. Ok, donc là il y a l'air d'avoir rien du tout, ça m'inquiète un peu.
Tu sais quoi? Toc. Ah, ok. Je pensais qu'elle s'activerait, mais apparemment non, c'est assez trompeur. Normalement, une balle suffit pour les trois. Ouais, deux, vu que ça ricoche. Est-ce qu'il y a encore le bouffon qui va me narguer? À croire que non. Mais je suis sûr que là, on doit passer avec les super bots. Pour choper le boulon en titane, justement. Merde, j'avais pas. Vous êtes pas gentils, les mecs, hein, franchement. Ouah. Ah, ok. Ok. Putain. On va pas se mentir. J'avais un peu peur de rater. Hop là, je fais des sauts, moi qui s'y a. Ah merde, bon bah c'était l'autre côté, je me suis fait avoir. Ouais, on est prêt. Est-ce que vous êtes chaud, Bilous? Salut. Oh. Putain, j'ai cru qu'il allait vraiment me toucher. Ah tiens, il y en a encore. Salut. Ok, mission réussie. Bon, c'est bien, on gagne pas mal de boulons là, du coup. Ok, bon, alors qu'on se suicide. C'est vrai qu'il y a pas mal de défis. En plus, je me souviens que les défis se débloquent au fur et à mesure du jeu, donc vous imaginez la quantité de défis qu'il y a. Allez, voilà. Je voulais être certain que ça passe. Oups, non ça va. Voilà, c'est carrément que de la plateforme. C'était un peu con de ma part ce que j'ai fait là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, bien sûr, il y a juste ça. Oh là là, il y en a trop. Enfin, j'aime pas en fait combattre des ennemis ennuyants. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà, moi pour battre mes ennemis, je saute. Et je tiens, je saute, je tiens, je saute, je tiens. Même que ça fait un lapin quand on y pense, Ratchet, quand il saute. Ouais, moi aussi je peux me battre avec ma clé. Attends, on va faire égal. Voilà, arme égale. Eh bien. Je te chasse. Moi aussi je peux faire ninja, je crois pas. Ok, gauche. Oh lol, droite. Cours, Forest, cours. Oh. C'était moins une. Ah ok, il me narque toujours. Toi tu perds rien pour attendre. Mais vraiment. Ok, bon, ce défi est réussi. Ensuite, saccade robotique, une tourelle, fais tes prières. Il y a combien de minutes? 18, ça va. Bonjour. J'ai commandé une pizza. Vous pourriez me la donner, s'il vous plaît? Hop, hop. Combien de 12 manches? Ok, on a noté que vous comptez. J'aime bien cette ambiance de gladiateur qu'on retrouvait des. Enfin qu'on avait déjà dans le 2 et qu'on retrouve dans le 3 en fait. J'aime bien. D'ailleurs, faudrait que je me fasse le défi. Enfin le plus gros défi qui est, je sais plus comment il s'appelle dans le 2. Parce que dans le 3 on va pas se mentir, il est pas tellement dur que ça. Je l'avais même fait en vidéo, en défi à mes débuts. Qu'est-ce qu'il y a? Merde. Je prends quand même cher sur leur. Sur leur coup à. Tourelle, merde, pff, fait toucher par un ventil. Ok. Ok. Mec, vous me saoulez, est-ce que vous êtes au courant de ça? Je pense pas. Hein. Putain, s'il y a la tourelle, ça va être drôle. Ils me font triper, sérieux. Oh. Allez, venez, je suis chaud bouillon. Je m'appelle Marseille. Oh, le fouet, sérieux. Au début, en plus, quand j'avais commencé le 3 étant gosse, je détestais le fouet. Vraiment, je le trouvais inutile et tout. Et puis en fait, bah, quelques années après, je me suis rendu compte que j'ai fait une très grosse bourde.
C'est nettement plus fiable que la clé, même si ça a des munitions. Je m'en fous, maintenant je peux aller sur les ventilos. Ah, là, là, là. Mais non, je suis pas mauvais, je suis juste maladroit, nuance. Ok, deuxième manche. Ah, la tourelle. Oh, au secours. Oh putain. Je vais attendre que ça se désactive ce truc parce que... C'est vrai que là, vu qu'on n'encaisse pas du tout les coups de la tower, ça fait un peu mal. Oh merde. Voilà, on va détruire comme ça. Hop. Oh putain. J'ai vraiment cru que j'allais me faire toucher. Enfin, bloquer dedans en fait. Là, 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 là. Fichez-moi la paix. Je veux vivre. Ok, c'est bon. Salut. Ah, tu m'attaques plus. Bon, bah. Ok, 90 secondes. Fouette cochée. À l'aide du plasma, bat tous les gladiateurs dans le temps imparti. Affronte deux gladiateurs et jackpot. Bon, on va faire ça. Tac. Tac. Et tac. Bon, celui-là est facile. On va pas se mentir. Tu restes ici. Regardez ce qu'il perd déjà. Il est où l'autre? Merde! J'ai pas vu! Tiens, je touche là. Eh, viens! Voilà. J'aimais bien quand même les boss du. C'était mieux, je trouve. Putain, que j'aime pas ces boss, n'empêche. C'est tellement easy. Et hop, elle est morte en 3. Ah merde. 2. 1. Bonne année. Ok, l'autre. Eh hey, mais Merde, il est là. Ah. Vrai autiste. Voilà. Ensuite, de grosses minutes dans le temps imparti. Ok. Ouais, bref. Encore plus easy. Parce que regardez, la vie qui perd quoi sur. C'est vrai que la tempête N60 pour ce boss là, enfin ces boss là du moins, c'est l'arme idéale. Franchement, après le Lamo 10 et le Lance Rocket, c'est les armes idéales. Enfin, c'est l'arme idéale plutôt. C'est les Kaito. C'est vrai que la cadence de tir est vraiment nullissime sur le lance-grenade. Merde, j'ai pas vu qu'elle avait fait un retour. Non mais viens là, je bouffe mes munitions. Reste ici. Voilà, là tu peux mourir. Il est où l'autre? Il va noter, viens. Aïe. Ah, il est là. Pourquoi la caméra se verrouille plus sur lui? Fouette cochée. Ok, j'espère que je vais pas galérer parce que ça j'ai toujours eu du mal en fait. Il suffit de gérer les munitions. Ok, il y a 6 manches. Là.
Là par contre j'ai fait le con. J'en ai bouffé 7 en une manche alors que l'autre c'était 3, c'est moyen quand même. Là. Oh putain, j'en ai bouffé une en trop là. Aïe. Putain, le truc qui prévient pas quoi. Attendez. Maintenant. Oh putain. Bon normalement c'est plié hein. Il reste 2 manches. Je fais la moitié de mon chargeur, ça devrait le faire. Merde. Attention. Voilà. Ouais si c'est bon, c'est gagné. Sauf si là je fais vraiment le con, mais chose que j'espère pas du tout. Parce que... Voilà. Et pour la peine, fait-on ça. Voilà. Le pauvre. Ok, l'hydrocracheur. Ah bah oui, c'est vrai qu'il me le faut, je suis un peu con. 90 secondes. Bon les gens, je pense qu'on va se laisser ici quand même, parce que ça fait un moment que je joue. Hydrocracheur. Ah tiens, on a déverrouillé le gant. Agent ravageur, pardon. Goramine, c'est dans... Ratchet & Clank 1 et non dans le 3. Ok, bon les gens, je vais vous laisser ici. Donc dans le prochain épisode, bah, nous continuerons notre aventure quand même, parce que bon, on va pas passer notre temps à opération destruction. D'autant plus qu'on déverrouillera d'autres défis, donc ça sert un petit peu à rien. Oh lol, je bats mon record là. Donc bon, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et au prochain épisode dans lequel nous ferons la suite de l'histoire. Allez, salut !